Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui avec mon gars Renato. Ça va quoi, mon ref? Ouais, ça va bien, tranquille et ton ref. Ah, on est là, mon gars. On est où en fait? Là, on est à Borny. C'est un quartier dans Metz, c'est dans la Lorraine. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît, mais venez faire un tour. Même Gab Morrison, il vous le dira. Il est assez grand le quartier. Il est même plus qu'assez grand. Ouais, il a rien vu encore, on vous montrera après. Il est balèze le quartier. Ouais, bah vas-y, je te laisse te présenter un petit peu. Bah, moi, je m'appelle Renato et je viens de Borny. Ça fait quoi, 25 ans que j'habite ici? Je suis pratiquement né ici, enfin né ici, je suis né au bled, tu vois comment, mais je suis né ici à 3 piges, donc ça fait 25 ans que je suis là. Ça fait combien de temps que je rappe? Ça fait 6 piges. J'ai fait quoi, 20 clips sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 2 clips sur la chaîne Demolition. J'ai fait la première partie de Fianso, il est venu dans une salle de concert, ça s'appelle la BAM. J'ai fait la première partie de Niska, j'ai fait la première partie de Rimka. Et à part ça, maintenant ça fait quoi? Ça fait depuis septembre, mi-septembre, j'habite à Paris. Histoire de musique, histoire d'avoir des meilleurs contacts. Vu mes clippers, ils sont là-haut, tu vois comment. Il y a mon ingénieur du son, il est là-haut. Mais sinon, je reviens ici souvent pour faire mes clips ou je les fais là-haut, tu vois comment. Appelle même les flics, je les nique et je m'applique. Ma coque, c'est l'iceberg qui fait couler le Titanic. Tout est deep, qui commis, faut pas parler hindou. Tu mérites pas une balle, t'en mériterais plutôt deux. Alors, du coup, ton parcours, c'est quoi exactement? T'es né où? Ça fait. À quel âge t'arrives là? C'est comment? Ah, moi, je suis né au bled, je suis né en Algérie, pour être plus précis. Je suis venu ici à quel âge? On va dire 3 ans, 3 ans et demi. Et à part ça, ça fait 25 ans que j'habite dans ce quartier, quoi. Et à peine 3 mois que j'habite à Paris, quoi. C'est ça, Paris, ça a dû changer un peu pour la musique et tout. Ah, de fou, frère, je vois, parce que ici, tu vois, je sais pas comment dire, mais dans le secteur de Metz, on va pas dire que ça se boycotte, mais tu vois, ça se donne pas la force comme dans les quartiers de Paname. Après, je pense qu'à Paname, c'est à peu près pareil, mais vu aussi que c'est plus petit, en plus c'est la province, tu connais les clichés sur la province, ça veut dire que ça croit que ça rappe pas ici, ils pensent que c'est un village, mais t'as bien vu que c'est pas un village, tu vois comment. Et c'est pour te dire ici, je sais pas comment dire, hein. C'est un quartier vraiment bien lourd. Il y a plusieurs communautés, c'est un truc de fou, il y a des rappeurs de partout dans la ville. C'est un bon bail, tu vois comment. Et comparé à Paris, c'est presque équivalent, mais Paris, c'est deux fois plus vite, tu vois comment. Et question musique, vaut mieux être à Paris. Ouais, c'est sûr. Et je pense que tous les rappeurs de province, par exemple, ceux qui ont pété et qui viennent pas de Paris, bah ils sont tous sur Paris, tu vois comment. Ils sont obligés par rapport à la musique. Même des rappeurs de Marseille, pour leur promo, ils sont obligés d'aller à Paris. Donc je suis obligé d'aller à Paris, tu vois comment. Du coup, t'as pu trouver facilement un studio? Bah, j'avais déjà le studio. Ah, ça veut dire que moi, je partais déjà d'ici, je partais au studio de là-haut. Parce que je te mens pas, ici, je partais dans des studios, mais ils sont basés sur, on va dire. C'est pas du rap, c'est pas des gens qui font que du rap. Ça veut dire qu'ils font de la rock, ils font de. Ah ouais, techno. Moins, ça tu vois dire, ce que je veux dire? Ça veut dire que lui, quand tu vas dans l'ingé, il a même pas l'oreille d'un bon ingé, tu vois. Alors que quand je suis allé sur Paname, il m'a direct fait des cuts, il m'a fait des bails, il m'a dit, regarde, je trouve que c'est mieux comme ça. J'ai vu la différence directe. Et ça fait maintenant, je vais dans un studio à Saint-Germain, en Lay, dans le 7-8. Ça va faire 4 ans. 5 ans que je vais là-haut et mes clippers ils sont de là-haut. Dédicace à Batso et dédicace à Ike. Ike il est venu là il y a 2-3 jours, il a fait un clip pour moi, tu vois comment. Et ils viennent de Paname, eux ils sont basés sur Paname, tu vois. Dis-moi, toi, tu m'as dit il y a des rappeurs un peu dans le quartier, non? Dans le quartier il y en avait avant, tu vois. Il y a mon frère, il s'appelle Souleymind. Il fait de la. C'est plus un délire de PNL, tu vois comment. C'est pas un délire dans le même style que moi, genre. Pas boom rap, mais genre c'est du rap tranquille, posé. Il y a un autre sahab à moi, il vient de Borny aussi. Et il s'appelle Poli, mais en ce moment il est enfermé. Et à part ça, avant il y en avait plus, tu vois. Il y avait des grandements quartiers, ils s'appelaient MOC, tu vois, ils rappaient avant. Après, il y a des autres grandements quartiers, ils ont rappé, tu vois, mais ils ont pas. C'était plus pour la rigolade, mais c'était vraiment fort. Et à part le temps, je te mens pas, il n'y a pas tant de rappeurs. Mais il y a des rappeurs, je connais pas tous leurs noms, mais il y a des rappeurs à Metz, tu vois, comment. Même aux alentours, tout, il y a des rappeurs, tu vois. Alors, du coup, toi, t'as commencé. Ça fait combien de temps vraiment tu t'es mis dans le rap, toi? Bah, au début, je te mens pas, ça veut dire que c'était plus des blagues, tu vois. Du sens, on va dire, on se clashait, c'est par exemple, on se clashait, on essayait de faire des rimes, et les gens ils m'ont dit, ah, tu peux tester, tu vois, comment tu peux essayer de faire des trucs. Et moi, j'ai dit, bah, vas-y, pourquoi pas. Et j'ai fait un freestyle avec un pote à moi, en vidéo, on l'a mis sur Facebook, les gens, ils ont bien aimé, mais j'avais cette gêne, tu vois, comment. Vu que je commençais le rap, j'étais gêné, tu vois ce que je veux dire. J'ai commencé en quoi? Pour rigoler en 2013, tu vois ce que je veux dire. Et en 2013, j'ai commencé à enchaîner, j'ai fait des sons, mais j'ai jamais montré ma tête. Ça veut dire que les gens, ils savaient du quartier que c'était moi. Mais j'avais pas une. Je voulais pas faire de clip, tu vois. Et au fil du temps, même mon entourage, il me disait c'est mieux que tu fasses un clip. Et on a commencé un clip. On l'a fait dans un appart, Chicago, frère. On l'a fait. C'était le bordel, gros. Et j'ai commencé vraiment à prendre. Comment on appelle ça? J'ai eu vraiment de l'amour pour la musique, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai dit, c'est pour moi, ça vit de ma mère. Et depuis, j'ai enchaîné. 2014, pour être sûr, c'est. Allez, on va dire 2014-2015, sérieux. Et après, là, ça fait. J'ai quoi? J'ai une vingtaine de clips. J'avais sorti un projet, mais c'était pas sur les. C'était pas trop les plateformes à l'époque là. C'était un projet où tu le téléchargeais sur internet. Et j'ai fait 2 clips avec Demolition, ceux qui sont sur Paname. Je crois que tu connais, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Et à part ça, j'ai fait. Comment ça? Je t'ai dit, je crois que j'ai déjà fait des concerts en première partie de Niska, Rimka, Fianso. Et depuis, je continue, tu vois. Et là, dans pas longtemps,
J'ai fait un clip il y a quoi 3 jours, et là il sort dimanche. Et après ça, j'ai un autre clip qui va ressortir, mais je ne l'ai pas tourné encore, mais je vais le faire sur Paname. On va faire en sorte de sortir un clip tous les mois, tu vois, comment, vu que je te mens ouais, pas. Ouais. J'approche là, j'ai 29 ans, tu vois, mais après je suis né en début de mois, tu vois. Là, demain, c'est mon anniversaire. Oh, bien vu. Tu vois comment, j'aurai 29 ans, et donc ça veut dire depuis, là je me dis j'ai plus le temps, tu vois, parce que je me vois pas péter dans le rap trop tard, tu vois. Ouais, parce je vois que le délire. Là, à cette heure-ci, vous voyez, c'est que des, je sais pas comment dire, des 20 ans, 19 ans, 21. Ils ont toute une carrière devant eux. Moi, j'ai pas toute une carrière. Je peux pas rappeler jusqu'à 40 ans, tu vois. Ouais. Il y a pas tout le monde qui est comme Booba qui peut tenir le rinté 20 ans, tu vois. Et moi, je me dis, faut que je charbonne. Et c'est pour ça que je me suis mis sur Paname, tu vois. Justement, des mecs de stage là, à Metz, des 19-21, il n'y en a pas beaucoup qui rappent, non? Bah, après, je te mens pas. C'est le délire de. Peut-être c'est cliché, mais c'est le délire de Paname, de Metz, tu vois. Comment c'est quand quelqu'un il rappe, presque les gens ils le regardent du genre, waouh! Il y croit à tout, tu vois comment. Mais on a ouais, des gens ouais. qui soutiennent. Tu peux voir mes clips, tu vois, des gens ils soutiennent vraiment. Mais la plupart, ils sont pas qu'ils sont pas réceptifs, mais ils sont dans leur tête. Ils se disent quoi? Ils se disent ouais, mais il y a personne qui a réussi ici. Ils ont vu plein de rappeurs qu'ils ont arrêté. Ils ont pas vu un ici réussir, tu vois comment. Et j'aimerais bien être le premier. Ah, je vais pas faire le je sais pas quoi, donner la lumière comme ils disent sur les réseaux. Mais j'aimerais bien que mon quartier, ma ville, qu'ils viennent faire un tour ici, tu vois, qu'ils voient qu'ils sont à du niveau, ouais. tu vois ce que je veux dire. Qui se disent ouais quand même ici ça kick, tu vois comment, parce que je suis pas le seul rappeur, tu vois ce que je veux dire. Après je connais pas tous les noms des rappeurs, je te dis les noms de mon ref, des grands de mon quartier d'avant, un Srabamo en prison, mais sinon il y en a encore, frère, je connais pas tout. Il y en a à mort, il y a Metz, c'est grand, tu vois ce que je veux dire. Donc j'aimerais bien qu'ils viennent ici, qu'ils font un tour, qu'ils voient notre quartier, qu'ils voient qu'ici ça blague pas, tu vois comment. Ils seraient venus dans le temps, ça aurait été encore mieux, tu vois. Mais à part les jeunes de notre âge ici, il y a pas trop de rappeurs de 19 ans, 18 ans. La plupart, moi je te dis, j'ai 29 ans, mon pote qui est en prison il a 28, et mon frère, lui, il en a 32, tu vois comment. Donc l'âge, il n'y a pas trop d'âge ici, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ouais, ça serait lourd que les petits prennent l'initiative. Comme je t'ai dit, si par exemple, on met la lumière ici, ça va donner envie aux gens. C'est sûr. Il a marché, regarde, lui, il a marché, bah viens nous aussi, on essaye. Ça fera que plaisir de dire, regarde maintenant, Metz, on est sur la carte du rap, tu vois. Là, on a changé de côté du quartier, non? Ouais, là, t'es dans un autre côté. Là, on était dans le Berksan. Là, tout à l'heure, au début de l'interview, là, on est dans le Michelet. Si tu veux, on peut continuer jusqu'au bout, mais à part si tu veux marcher dans tout le quartier à pied, l'interview elle va durer 3 heures. Pour ça, après, si tu veux, on va la faire. On va y aller en voiture après pour la suite. Mais... Et après, comme je te disais, là, on est dans un autre quartier, il est côte à côte. C'est le même quartier, c'est Borny, mais sauf c'est. C'est parti différent. Là, on est en Henri Bergson, là, on est à Michelet. Et après, je sais pas comment dire, il y a encore des coins et des coins, je te montrerai. Tu fais une interview ou quoi? Une enfoiré, une! Ah ouais, attends. De quel côté? Tu me disais, t'étais partout. Ah, moi, je suis partout. Je suis, comment on appelle ça, un électron libre. Parce que dans tout le quartier, on se connaît tous. Ça veut dire, tu vois, les mecs là que tu viens de voir, c'est des mecs qui étaient partout, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, on n'est pas un point fixe. Après, il y a des mecs qui sont sectaires. Qui, par exemple, je te montrais des tours là-haut, ils restent là-haut, mais on se connaît tous. Ça veut dire que, par exemple, nous, on fait un jeu, il s'appelle le crappy, tu vois ce que je veux dire. Et le jeu là, il ramène tout le monde. Ça veut dire que tu vas faire un crappy ici, tu vas ramener des gens du fond, de là, de partout. Ça veut dire que tout le monde se mélange. Il n'y a pas, ouais, il y a une bande ici, on se prend pas la tête. Après, il y a des inconvénients, il y a des gens qui s'aiment pas, comme partout. Mais tout le monde se mélange, il n'y a pas de blocage sur ça, tu vois. C'est quoi le crappy pour ceux qui connaissent pas? Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu, c'est comment on appelle ça? Là, je vais l'expliquer, ça va être dur. Hein. Il y a 6 images. C'est une table, on met une table et on met un plateau dessus, il y a 6 images. Sur les 6 images, il y a crevette, crabe, bouteille, coq, poisson, et je me rappelle même plus là. Attends, crevette, coq, crabe, poisson, bouteille. Ouais, j'ai oublié le dernier. Bref, il y a une 6e image. Et la 6e, c'est quand on pose, et sur les dés, au lieu des chiffres, tu vois, on prend une assiette et un bol. Et à la place des chiffres, sur les dés, il y en a 3 dés dedans. Et à la place des chiffres, c'est les images. Par exemple, sur un dé, tu vas avoir un crabe, crevette, bouteille, tout ça, t'es d'accord? Et le gars, il est là, il secoue son bol. Bah, par exemple, tout le monde s'arrête, il ne soulève pas le bol. Et par exemple, moi, toi, tu viens, toi, Gab, tu mets 10 euros sur l'image bouteille. S'il lève le bol et qu'il y a une bouteille, tu reprends tes 10 euros plus 10 euros. S'il y a deux bouteilles, tu reprends 20 euros plus tes 10 euros. Si tu as 3 bouteilles, tu prends 30 euros plus tes 10 euros. Mais si tu as encore plus un sniper, comme on dit chez nous, tu mets un tot, c'est quand tu prends un billet, tu le plies en deux et tu mets sur bouteille, exemple, et crabe. Si tu le mets sur les deux et qu'il y a bouteille crabe, c'est multiplié par 5. Ça veut dire que tu récupères tes 10 plus 50. Mais ça joue pas 10 euros, ça joue des 500, des 300, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un jeu, frère, ça a été inventé par les Asiatiques, je crois, et ça fait des 25 ans qu'il est chez nous, le jeu-là. Ouais. Bah, je crois que même, je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire ce que je sais pas, tu vois. Mais même à l'époque, à Paris, tout ça, ils connaissaient pas le jeu-là. Ouais, ça m'étonne pas ça, tu vois. Ouais, tu vois, ils connaissaient pas le jeu là, mais je pense que maintenant, avec le fil des années, j'ai entendu qu'à Paris, ils ont pris le relais, tu vois. Ouais, je vois le délire. C'est un putain de jeu, tu vois. Et après, il a créé des embrouilles, comme n'importe quelle partie de poker, tu vois.
Je vais vous présenter quelque chose. Pour tous les quartiers, bah, nous, notre prison, elle est juste là. C'est pas la nôtre, mais on y était dedans, bref. Elle est juste là, elle est à quoi, 200 mètres. Ça veut dire que là, de nous, notre quartier, bah, par exemple, quand un pote à nous, nous, on est en prison, on voit notre quartier normal. Parce qu'il y a un côté corbeau, il y a un côté promenade. Ça veut dire que quand t'es côté corbeau, bah, c'est, nous, on appelle ça côté corbeau. Ça veut dire que tu vois tout ton quartier. Et côté promenade, tu vois que le jetard. Mais sinon, ça donne encore plus de nerfs quand tu vois que t'es tout près de chez toi. Ouais, tu vois, j'imagine. Ça et ça rend fou quand tu te dis qu'ils nous ont mis ça à côté. Ça veut dire vraiment le chemin. Il y a la ligne droite là, c'est tout. Ça veut dire que pour les familles, tu vas me dire, c'est bien. Ouais, pour les parloirs, il n'y a pas d'excuses là. Il n'y a pas d'excuses. Là, celui qui le rate le parloir, il veut pas venir, c'est tout. Mais sinon, là, ça va. Mais après, il y a des prisons pour les plus grosses. Parce que là, c'est plus les petites peines, tu vois. Mais les grosses peines, ça va à Sarreguemines, ça va à Saint-Miel. Beaucoup de prisons autour, tu vois, Montmédy, tu vois comment c'est plus loin et c'est une galère pour les darons, tu vois comment. J'imagine, ils se tapent des trajets de je sais pas combien de temps, ils font la queue au parloir. Et force à toutes les darons et tous les darons qui vont au parlu. On peut dire force parce que après c'est malheureux, tu vois comment, c'est les petits qui font la merde et c'est eux qui payent, tu vois. Après maintenant, je donne un conseil à tous les jeunes, soit faites rien ou soit faites-le mais faites-le bien, tu vois. Parce que si vous le faites et que vous faites pleurer votre mère et en plus vous avez zéro de côté, ça va faire bizarre. Ouais, c'est sûr. Hein. Si tu montes en prison et que ta mère elle sait que t'as zéro de côté, elle va dire mon fils il faisait quoi dehors? Ouais. Il faisait le commis ou quoi? Il allait chercher que des boissons son fils en fait. Et elle pleure pendant que son fils va chercher des boissons. Là au bout là-haut. Ouais. C'était Fuego frère, c'était Chicago. Tellement Chicago, regarde, ils en ont fait quoi frère? Ils ont détruit les fils de pute. Ah ouais, ça détruit. Ouais. Ah c'était le bordel. C'est la place de marché ici, tu vois comment? Il y a des snacks, il y a à manger, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des indiques aussi. Ah ça c'est musique ça. C'est la BAM. La BAM, ah c'est ça, la salle de concert. Tu vois comment? C'est là où j'ai fait la première partie de Fianso et de Niska. Mais celle de Rimka c'était plus dans la ville de Metz, tu vois. Ok. Et là ça prend 1200 personnes, tu vois. Ah ouais, quand même. Hein. C'est un bordel, ou là ça va, c'est la seule bonne chose qu'ils ont fait dans le quartier, je crois. Là on est au 4 tours. C'est dans le même quartier de Borny, tu vois comment c'est collé, tout collé. Je t'ai montré l'Henri Bergson, je t'ai montré Michelet, je t'ai montré la place du marché, je t'ai montré tout le Boulonnais, tout ça là. Il y a tellement de quartiers frère, je vais plus m'arrêter. Et là, et c'est les 14, tu vois comment. Avant il n'y avait pas toutes ces putains de barrières, mais depuis ils ont investi des sécurités, ils ont investi un délire. De toute façon le quartier ils lui ont mis une gifle depuis le métis, tu vois. Le métis c'est comme un tram. Et depuis qu'ils ont fait la construction du tram, il y a là les délires qui sont faits. Avant, à l'époque, il n'y avait pas de BST chez nous. La BST, elle est venue, après plus police nationale, tout ça, c'est un sacré bail, tu vois comment. Donc à l'arrivée, le quartier, c'est plus le même qu'avant, si tu préfères. Que j'ai plus de pop smoke, que de la pub, je smoke. La concu, je la smoke. La concu, je la smoke. Smoke, smoke, que j'écoute pop smoke. Que de la pub, je smoke. Sinon, t'as sorti pas mal de clips et tout. Ouais, de fou, j'ai fait. Un petit peu celui que t'as le meilleur souvenir. Tous. Après, il y en a, c'est des souvenirs bizarres. Il y en a, c'est des souvenirs bizarres parce qu'il y a des gens. Après, je t'ai dit, je vais pas dire que c'est des. Il y en a, c'est des branleurs de fou ici, question musique. Ça veut dire que tu vas voir des caméramans, tu leur dis, tu leur proposes des plans, ils disent oui, c'est carré, mais à la fin, ils sont pas là. Mais moi, je suis déter dans l'âme. Ça veut dire qu'il y en a, ils me disent, ah, je peux pas venir à Meudah. Bah, moi, j'ai pris mon iPhone 7, je suis parti à Meudah, je l'ai fait avec mon téléphone, tu vois. Et je l'ai fait le montage, moi, le soir même, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai de ça. Je dis, la vie de ma mère, c'est vrai. Et ils voient les clips, ça fumait de la trinque en trinque. Tu peux le même voir sur YouTube, le clip, tu crois, bah ça se voit que c'est un iPhone 6, mais vie de ma mère, c'était un délire, on était pété sous piave. Sous piave, c'est-à-dire qu'on était bourré et on a fait un délire de fou, parce qu'on n'a pas le même langage que eux. Give, ils comprennent pas tout, ils comprennent justement, pas. Justement, c'est quoi les expressions ici, les mots... Ah, les mots bizarres. Je vais aller dans le sale tout de suite. La schmack, c'est l'héroïne. Ici, schmack, ça veut dire héroïne. La cesse, je pense que tout le monde sait que c'est de la coke, tu vois. Le shit, on le dit comme tout le monde, on dit du touch, tout, comme tout le monde. Après, question voiture, nous, on dit give, tu vois ce que je veux dire. Clop, on dit schmer, c'est bizarrement on dit schmer. Ça, on appelle ça une bibise. Je crois que vous appelez ça une bibine, ou je sais même pas comment vous l'appelez, ou un flash, ou je sais pas. Après, tout le reste, c'est comme vous, je pense. Hein. C'est ça, tout. Ouais. Après, nous, on a un défaut. Peut-être dans d'autres quartiers, ils le font pas. À chaque fin de phrase, on dit bâtard. Bâtard. Je sais pas pourquoi, c'est vrai ou pas, les gars. Ouais, je bâtard, ça va ou quoi? Ouais, je fils de pute, normal. Tu vas dans un autre quartier, ça part en couille. Tu vois comment ici, c'est banal de fou. Des bâtards à tout va, même des gens d'ailleurs, ils disent pourquoi tu me traites tout. Alors que c'est notre langage, frère.
Et ton blaze Renato, pourquoi t'as choisi ce... Bah à la base je m'appelais pas Renato, ouais, j'ai fait des blazes et des blazes mon ref. À la base je m'appelais Zepec, tu vois. Mais après avec le fil de temps je dis putain j'ai pris le blaze d'un cocaïnoman, tu vois. Puis même il y a trop de Zepec dans le... Ouais de fou, et après j'ai pris Rico. Mais dès que j'ai vu à Panem, il y a Rico Banks, Rico Flanks, Rico Lynx, Rico Trinx, j'ai dit oh, tu vas sortir une musique, ils vont dire c'est lequel Rico. Lui. Je dis Renato, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et c'est plus, je sais pas s'ils connaissent L'Ange du Mal. C'est un film avec un braqueur italien, il est connu, tu vois comment il s'appelle, Renato Valenzasca. Et il a braqué tellement de banques, frère, c'est un bordel le type. Et un homme, tu vois, il met pas son nez dedans, il a fait des grosses affaires. Et c'est pour ça que j'ai pris son nom, tu vois. Je suis pas un braqueur, hein. Pas que les Condés sont là, ah, tu fais le braqueur, toi. On parle des Condés, mais en ce moment, dans l'actualité, ça parle bien des bavures, des choses comme ça. Ah, je te mens pas, des bavures, on a eu à mort ici, hein. Il y a eu des délires. Il y a eu des gens qui sont là-haut, là. Il y a des frérots à nous qui sont morts en accident de moto. Il y a beaucoup de délire ici à Bavure, moi je te mens pas, je leur dis normal, ils m'ont mis des patates dans les côtes ces enfoirés de Condé, gros. Ils m'ont coupé la respiration ces bâtards, j'avais les menottes, tout. Mais bref, après ils font ce qu'ils veulent, ils croient qu'on les nargue, mais ils sont encore pires que nous, tu vois ce que je veux dire. Comme je t'ai dit, que des bavures, frère, ça veut dire que nous, ils nous attrapent, frère. C'est ça le défaut d'ici, tu vois, ils nous attrapent, ils te font du sale, frère. Je te dis de bon cœur, il y en a combien qui sont sortis des tours là et des tours là sur des lits d'ambulance, frère. Je te dis de bon cœur, ils sont tout seuls avec toi dans l'entrée, ils se gênent pas, frère. Ils te remettent des coups, voilà. Et sinon, à bavure, on va pas dire qu'il n'y a pas eu 100 000 morts ici, mais on a eu quand même des bavures, tu vois. Mais nous, c'est plus... Après, ils vont pas m'attaquer pour de la diffamation, je dis ça comme ça, il y a eu des corrompus à mort ici, je vous le dis. Hein. Ça servait à mort dans les scellés, hein. On se faisait niquer avec des sommes. Au tribunal, il manquait un zéro, mon poteau. Hein. On va pas se le cacher, les condés d'ici, vous êtes servis dans les fouilles quand même. En plus, je vois, on est au City, un petit synthétique et tout. Ça joue bien ici ou quoi? Après je te mens pas, moi j'étais dans le foot avant, mais je vais pas te faire les gars, oui, ligament croisé, j'étais pas assez bon, c'est tout. J'étais pas bon frère, je vais pas réussir dans le foot, c'est pas bon. Et après j'ai arrêté, et je me suis consacré à un autre terrain, tu vois, et après j'ai payé pour le terrain là, et ainsi de suite. Et maintenant c'est le rap, j'espère qu'il va payer le rap, c'est tout. Et à part ça, il y a des joueurs de fou ici, il y a Vega, attends, faut que je trouve des noms qu'ils ont réussi ici. Personne. Il n'y a personne qui a réussi ici. Non, il y a trop de talent que ça ne réussit pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois te dire. Toi, yeah. Du coup, à Paname, maintenant, t'as fait des connexions un peu avec des rappeurs de là-bas ou... Non, pas trop avec des rappeurs. Si, avec des rappeurs, mais pas, j'ai pas d'affinité, tu vois ce que je veux dire. Je préfère, par exemple, pas faire de feat que de faire un feat pour faire un feat, tu vois. Si on s'entend pas et, par exemple, on se fait un feat et ça se trouve dans 2-3 ans, on se prend la tête, autant pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Et sinon, à part de Paname, j'ai signé des contacts plus et questions. Parce que avant, je m'y connaissais pas en rap, mais je croyais que tu mettais un son sur YouTube, c'est parti, tu vois. Ah non, ça marche pas, tu vas à Paname, il t'explique tout de suite les choses. Faut un agent de presse, faut un manager, faut un producteur. Après, producteur, je m'en bats les couilles. Hein. Parce que depuis le premier clip jusqu'à maintenant, c'est mon oseille, tu vois. Et j'ai pas récupéré des sous, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est mon oseille, ça veut dire qu'il y en a pas un dans 2-3 ans, il va dire c'est grâce à moi, tu vois. C'est que ouais, grâce à moi. Ouais. Mais après, je vais, si par exemple une maison de disques elle me ramène 500 000 de bon cœur, je les prends, frère. Il n'y a pas de souci. Mais à part ça, à Paname, j'ai compris que, en fait, comment on appelle ça, le community management, je crois que ça s'appelle. Ça sert de fou. Ça veut dire que t'as beau mettre des X sur YouTube, je sais plus ce qui avait de ça, t'as beau être l'homme. Ouais. Il y en a un gars de Paname, il m'a dit quoi? Il m'a dit, t'as beau avoir le flow de Booba, tu rappes comme je sais pas qui, t'as pas de contact, tu réussis pas. Il a dit, il y a combien de rappeurs qui sont forts à mort, ils sont pas connus? C'est ça. Et après, avec le temps, vu que ça fait que 3 mois que je suis sur Paname, au fil des années, parce que maintenant j'approche la trentaine, tu vois ce que je veux dire, au fil du temps, il faudra que j'ai le maximum de contacts, tu vois, et histoire de mettre ce quartier dans la lumière, tu vois. Et du coup, toi, je pense que t'as dû voir l'évolution du rap à Metz. Bah avant, je te mens pas, tu peux demander à tout le monde, ça a rappé, mais pas tant que ça, tu vois, à part que je t'ai dit les grands de mon quartier, MOC, tu vois, eux, ils étaient là il y a longtemps, mais ils ont fait plus ça pour eux, tu vois, comme moi. Et sinon, l'évolution, je te mens pas, il n'y a pas tant de rappeurs ici, tu vois. Je vais pas dire que je suis le seul d'ici, mais si, bah à peu près, ouais. Parce qu'après, je connais pas les autres, tu vois comment. Mais il y a des rappeurs dans Metz, tout. Mais je les connais pas tous. Je t'ai dit, il y a mon ref, Souleymane. Et il y a un pote à moi, il est en prison, il s'appelle Poli. Et à part ça, tu vois, il y a des autres noms, mais je les connais pas, tu vois. Même à l'ancienne, ça devait être dur ici pour trouver des studios. Mais je t'ai dit, on partait à un studio de Thionville, c'était plus basé sur. C'était à Thionville carrément. Ouais, c'était même pas ici, tu vois ce que je veux dire. C'était plus basé sur. C'est un gars, il va enregistrer quelqu'un qui fait du rock. Il va enregistrer quelqu'un qui fait du métal et il va m'enregistrer moi. Donc ça veut dire dans le rap, il a même pas l'écoute, tu vois. Alors qu'à Paname, direct, le mec il a enregistré que du rap. Il me dit, attends, je vais faire un cut ici. Un cut, tu vois, pour ceux qui savent pas, c'est quand il coupe l'instru. Attends, je le fais là. Il le fait propre et là, je vois la diff, tu vois. Mais sinon, évolution ici. Si je serais pas parti à Paris, je crois pas que j'aurais évolué, tu vois. C'est quoi ici du coup mon ref? Bah ici mon ref, c'est le Languedoc, c'est la rue du Languedoc, tu vois comment, avant il y avait un Porsche ici, et il y avait du beau monde dedans, que des amis, tu vois comment, il y en a passé des putains de délires, mais
Mais bon, un jour ils l'ont fermé, ils l'ont détruit pour laisser tout ça, tout vide. Et vous pourrez voir des scènes de mes anciens clips, où vous verrez ce porche. Il y avait des escaliers, tout, c'est un délire, ils ont tout changé, vous pouvez voir. Ça démolit beaucoup ici, hein. Ah, de fou, il y avait une grande cour, tout énorme ici, mais elle est encore là, le directeur, on va dire que c'est encore là, mais c'était une toute grande cour, il y avait des blocs partout, il y avait le porche là, il y avait, là il y a l'école, juste en face il y a l'école. Et tu vois, les gens ils passaient de l'école, ils montaient au porche. Après nous on squattait plus dans le porche parce qu'il c'était mieux, tu vois comment. Et c'est un putain de délire, mais il est enfermé. Et tu pourras le voir sur mes anciens clips, j'en ai fait quoi ici. J'en ai fait au moins une 4-5, toi, ou peut-être 3-4, et tu verras le porche, tu diras putain quand même ça a changé. La dernière question, là j'ai dit dans chaque vidéo pour chaque rappeur. Dis-moi tout. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, moi je te mens pas, je suis partagé, moi c'est deux. Je vais pas faire le mytho, mais j'étais plus Real quand il y avait Cricri, tu vois. Ouais. Mais je suis toujours Real et je suis la Juve. Mais déjà avant Cricri à la Juve, avec l'équipe Dybala, toute l'équipe type, Quadrado, tout ça, j'étais déjà à la Juve, tu vois. Donc on va dire que je suis les deux là. C'est le FCMS. Allez, FCMS, c'est un bon centre de formation, tu vois. Ils sont bons dans le centre de formation. Après, des fois, ils font des bonnes choses, mais après, je sais pas. Peut-être le niveau, il est trop surélevé, mais pour eux, je sais pas. Mais dans tous les cas, si c'est pour descendre, remonter, mais donc ça sert à rien, tu vois. Mais dans tous les cas, il y a des époques, ils avaient Ribéry, ils avaient des bons joueurs, ils avaient Pires, ils avaient Mané. Sadio Mané. Ouais, ils avaient beaucoup de bons joueurs, faut pas oublier, c'est pour ça que je dis que c'est l'un des meilleurs centres de formation pour moi. Ouais, parce que tous leurs bons joueurs, ils viennent de Adebayor, j'ai oublié, il y en avait des bons joueurs chez nous, tu vois. Et au fil des années, après l'équipe, je pense qu'elle va revenir à son niveau, elle va reprendre des bonnes places. Oui, il y a moyen, ouais. Mais j'espère du moins, au moins qu'ils prennent une coupe. C'est très bien. L'eau. Bon mon gars, t'as des réseaux? Moi mes réseaux c'est sur Instagram, Facebook, Snap, c'est Renato Officiel. Le O il sert pour les deux, ça veut dire c'est R-E-N-A-T-O-F-F-I-C-U-L. Force à tout le monde et force à Gab Morrison. Merci mon ref, force à toi surtout. Et merci à toi d'être venu dans notre quartier, non, d'avoir normal, donné mon gars, normal. Force à toi mon ref. Le 9 et tu brilles, impossible que tu diminues. Coup de crosse, t'es par terre, qu'est-ce ton 10 minutes? Je n'ai plus trop le time, je dois faire beaucoup de billes.